25 novembre la sortie à partir de une réunion qui était faite dans le pays Colombie en 1984 et côté que mesdames latino-américaines divers pays d'Amérique latine ils étaient réunis ensemble, ils ont réfléchi sur divers problèmes que femmes a confronté dans divers pays et ils étaient venus rendre compte une des bagages qui plus commun qui unit toutes femmes c'est problème violence. Dans la réunion ça, la délégation dominicaine femmes république dominicaine là, t'est assez important comme ça et côté yo t'est voulu honorer les sœurs Mirabal. Sœurs Mirabal, c'est trois sœurs qui étaient victimes dictature Trujillo en République dominicaine. Yo torturé yo et yo violé yo et yo finalement yo assassiné yo. Et toi mesdames ça yo c'était symbole femme qui subit violence sous tout corps yo parce que yo t'ai contre yo t'ai défendre l'idée yo t'ai défendre droit yo et c'est à partir de ça 25 novembre c'est fait une là-dedans yo ça que t'ai pimatisé hein et yo t'ai choisi date ça pour comme journée pour bataille contre violence qu'a fait sous femme. Depuis Sofa a formé, il y a des relations avec des autres organisations dans le continent. Et nous sommes au courant de date 25 novembre. Là. Nous avons dit qu'il faut que nous greffions sous le mouvement international là, pour permettre à l'action de nous pipoter. Et c'est comme ça, 25 novembre 1987, et Sofa sorti avec le mouvement Journée Violence. Et 25 novembre, journée de lutte contre la violence qui a fait sous femme. Et nous avons fait, c'était un jour, côté nous avons fait un pile intervention à la radio. Et nous avons fait une soirée dans le théâtre national, côté pour nous vraiment éclater la question de violence là, pour te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, et parce que, ou monsieur Maria ou madame Ligien doit battre tout bagay sa yo nous te dit non Abraham dit c'est assez sera c'est ta faut que bagay sa fini dans pays nous pas parler gain dans bataille là nous pas pour serrer pour assassiner nous pas parler dans le temps viol c'était yo pas même qu'on définir dans code pénal là pas gagner et pas de gagner vraiment aucune peine pour agresseur donc gagner en pile progrès qui fait qu'on a gagné décret loi 2005 ans qui définit viol et puis qui punit li. Nous gagner le fait que parlement en 96 t'es ratifié convention contre et pour prévenir éliminer violence qui a fait sous femme, qui aurait les conventions Belen do Pará. Nous gagnons le fait que question violence en parle de tous côtés, gagnons en pile organisation qui vient gagner des centres d'accueil pour les gens qui subissent violence, gagnons l'hébergement pour côté et pour femme, gagnons question organisation internationale tant qu'UNICEF qui aide nous avec petit monde qui victime violence donc gon bon progrès qui fait mais tout autant que nous pas une société égalitaire qui considère que femme n'est égale à garçon hein, que li gagne même opportunité mais que garçon hein, et que garçon il pas gain droit c'est parce que le garçon gain droit sur femme là au fait c'est ça qui base violence là nous fait en pile gagne. Mais nous gagnons toujours en pile le fait que nous pas gon loi vraiment une loi cadre sur violence qu'a fait sur femme pour définir chaque type de violence yo comprenez donc li sont une barrière.